tous. Bonsoir Hervé. Bonsoir Aline. Ce soir, nous allons réaliser ensemble une recette fraîcheur. Nous allons travailler les produits de la mer. Donc Lynn, les mouclades au curry, c'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc pour ce faire, nous avons déjà détaillé nos épices. Pays. Exact. Le fumet de poisson, la crème liquide, la poudre de curry, ainsi que notre assortiment de fruits de mer. On peut commencer la recette. Donc nous mettons un peu d'huile d'olive dans notre casserole. Tu me passes les épices si tu veux bien. Voilà. Alors pendant combien de temps Hervé sur le feu? Juste le temps de, que les épices s'imprègnent, donc 10 secondes. À feu doux, à feu moyen? À feu moyen. Donc maintenant, tu peux me passer la poudre de curry. Alors là, on va y aller avec parcimonie. Ben. Je vais t'aider. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, le fumet de poisson, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. On laisse réduire de 2/3, gentiment. Là, on peut y mettre notre crème liquide. On peut y aller, tout. Tu as vu, on n'a pas été trop dans l'excès de la poudre de curry. Donc, on arrive à avoir ce jaune verdoyant. Donc, maintenant, on va saler. Voilà, très bien, c'est parfait. Voilà, alors Lynn, maintenant que notre sauce au curry est finie, nous allons... dresser notre assiette. Directement. Donc, tu as remarqué qu'on n'a pas mis l'assortiment de fruits de mer dans la sauce parce que je ne veux pas que ça soit caoutchouteux. D'accord, donc, on fait le contraire et la sauce va réchauffer notre assortiment de fruits de mer. Une petite touche de persil. Voilà, très harmonieusement. Très joli. Et c'est prêt. Voilà une autre façon de cuisiner les fruits de mer. Nous vous souhaitons bon appétit et à demain.